N'aie pas peur, petite fée. Quelle excitation! Pour la première fois, cette nuit, Hortense va dormir dans sa roulotte. Biscuits aux violettes, sirop de coucou, bonbons à la rose, la petite fée déballe le joli panier plein de surprises que sa maman a préparé pour elle et Gomez, venue lui tenir compagnie. Il fait bien noir dehors lorsque Gomez commence à lire une histoire qui fait peur. Il était une fois une sorcière avec un menton poilu. L'interrompt Hortense. Tu entends ce bruit? On dirait des pas. Même pas peur, répond Gomez fièrement. Vite, la petite fée allume l'étoile de sa baguette magique, sort bravement sur le pas de la porte de sa roulotte et éclaire au dehors. Ah, c'est toi, Apolline, lance-t-elle rassurée à sa voisine Coccinelle qui rentre se coucher. Bonne nuit. Hortense retourne vers son lit quand un nouveau bruit la fait sursauter. Il y a quelqu'un sur le toit de la roulotte, chuchote-t-elle. Cette fois, Gomez bondit sur ses pieds. Reste ici, je vais voir, dit-il avec courage. Prudemment, il grimpe sur le toit de la roulotte. Une chenille s'est installée là et s'enroule dans son cocon pour la nuit. Gomez pousse un soupir de soulagement. Ah, les filles, pense-t-il. Quelle froussarde! Et un hurlement retentit alors dans la roulotte. Gomez passe la tête par la fenêtre du toit. Quoi encore? Bougonne-t-il. Dehors, bredouille Hortense. J'ai aperçu une ombre. Gomez a beau faire le fier, il n'aime pas beaucoup cela. Sans faire de bruit, il se faufile à l'intérieur et rejoint Hortense.
C'est bien vrai. Une ombre approche lentement. La lumière, vite! Presse Gomez. Hortense agite sa baguette magique pour allumer les petites clochettes qui éclairent le chemin. Les deux amis regardent à l'extérieur. Rien. Ils étaient pourtant sûrs. Gomez et Hortense sursautent. La porte de la roulotte s'ouvre lentement. Maman! Crie Hortense toute contente. Tu as oublié ta veilleuse, ma chérie. Je ne voulais pas que tu aies peur. Peur? Nous? Répond Gomez. Jamais! Mais lorsqu'une petite tête sort soudain du sac de la maman d'Hortense, il saute au plafond tout tremblant. Ma luciole! S'exclame la petite fée en riant. Quelques minutes plus tard, le calme règne à nouveau dans la roulotte. Hortense et Gomez se sont endormis. Sagement posés sur le rebord de la fenêtre, la luciole les éclaire doucement. Elle veille à ce que leur nuit soit douce et peuplée de jolis rêves.